Ça vit dans le jardin. Ah oui, c'est sur le jardin. J'entends... Attends, je vais monter le son, je n'entends rien. Non, ils ont coupé le micro. Oh, c'est Jean-Pierre. Ah bah oui, c'est Jean-Pierre. Ah, bonjour Jean-Marc, bonjour Jean-Luc. Allez, bonjour. Voilà, Adrien, voilà, super bien. Je vais couper. Non, bah, c'est bon, hein, ça va. Tiens, Chlo, fais bonjour. Salut tout le monde. Salut David. Bonjour David. Ah voilà Josette. Josette, elle était la première tout à l'heure, comme d'habitude. Je l'ai vue, mais elle avait du mal à connecter sa caméra. Dans ce moment, j'espère. Bonjour Jean-Pierre. Ah bonjour Céline. Bon, ça va, ça marche. Bonjour Aline. Ils sont tous très sages, hein, ils ont tous coupé leur micro. Fano, bonjour. Bonjour. Ouais, super de vous retrouver tous. Bonjour, il y a Luca, Fano et Sandrine. Ah, bonjour Luca, Fano, Sandrine. Bonjour tous les trois, génial. Morgane. Oh, la petite Morgane. Bonjour Morgane. Coucou. Très bien, on commence par se relâcher, bien bien se relâcher, respirez dans votre ventre. Quand vous inspirez, le ventre se gonfle. Et quand vous expirez, le ventre se dégonfle. Vous inspirez, le ventre se gonfle. Vous expirez, se dégonfle. Inspire, il se gonfle. Expire, il se gonfle. Là, les épaules sont bien basses. Connexion avec la terre. Vous allez visualiser des filaments de lumière dorée ou des racines qui s'enfoncent profondément jusqu'au centre de la terre. Et sentez l'énergie de la terre qui monte en vous. Par vos jambes, vos hanches, votre buste, et qui vous remplit l'énergie de la terre mère, de la terre nourricière, de cette terre qui est tellement heureuse de respirer en ce moment, et de cette terre qui est pleine d'amour pour les humains. Ensuite, vous visualisez des filaments de lumière argentine qui monte jusqu'au ciel et vous allez chercher l'énergie du ciel qui descend par votre chakra coronal et qui vous remplit l'énergie du ciel. Bien, dans ces mouvements de connexion ciel-terre, de la même manière quand vous méditez, pour que la connexion se fasse bien, votre langue dans votre bouche est collée au palais. Votre langue est collée au palais. Très bien. Vous êtes dans votre cœur. Souriez dans votre cœur. Gardez ce sourire dans votre cœur. Et surtout, ne laissez absolument pas la place à aucune peur qui n'a pas lieu d'être. Merci de ta présence.
Mes élèves bien-aimés, je vous salue. Allez. On va commencer par un exercice pour s'ancrer. Ici, vous imaginez sous vos fesses un gros ballon rempli d'air. Et vous allez vous asseoir sur ce ballon. Et quand vous asseyez sur ce ballon, ça envoie l'énergie, ça envoie l'air sous vos bras. Et ça fait monter vos bras. Ici. Ce ne sont pas les bras qui montent, c'est l'énergie qui fait monter vos bras. Bien dans la respiration. On s'assied sur le ballon, relâchez les épaules et sentez les bras qui montent absolument tout seuls. Je profite pour vous dire que dans ce mouvement-là, quand je fais des cours à Rouvre, à Bu, pardon, il y a beaucoup de gens qui trichent, ils sont comme ça. En réalité, il faut descendre sur les cuisses. Voilà. Bien. On va profiter de ces vidéos pour bien travailler les attitudes corporelles. Et je pense qu'on va vraiment mettre l'accent là-dessus. Donc pensez à bien vos épaules, vos étoiles du haut qui doivent être à la verticale du bas. Quand vous faites ce mouvement-là, ici, faites attention à ce que les épaules restent bien à la même, au même niveau que les hanches. Il ne faut pas qu'elles partent plus loin. Donc ici, voilà, vous tournez un pied, là, et vous tournez. N'essayez pas d'aller le plus loin possible. Voilà, vous engagez votre centre, vous engagez votre centre, voilà, le regard. Mais ne cherchez pas la performance de rotation au niveau des épaules. Bien. Ensuite, dans ce mouvement-là, comme ceci, ici. Attention à ça, attention à ce pied qui parfois se décolle,
Donc regardez, vous allez faire que le mouvement du hareng. Votre hareng sur votre jambe arrière. Et là, vous passez le poids du corps. Regardez mon centre, il est là sur jambe avant. On revient. Le poids du corps est sur la jambe arrière. Jambe avant. Jambe arrière. Oubliez que vous avez les épaules. Oubliez que vous avez les bras. 1. 2. 1. 2. On tourne. Jambe arrière. Poids du corps sur jambe arrière. On bascule. Voilà, la jambe arrière est tendue et le talon est colossal. 1, 2, 1, 2. Et surtout les épaules. Les épaules bien à la verticale des hanches. Bien, on tourne. Maintenant, même chose, on envoie les mains. 1, 2, 1. Je le fais chasse à gauche. 1, 2, 1, 2. Vous pouvez rester face à l'écran si vous voulez. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Très bien. Alors après, les taïsabaki, je ne sais pas si vous avez la place pour vous pour faire des taïsabaki. Taïsabaki, on ne va peut-être pas les faire aujourd'hui. Le déplacement latéral. Alors, le déplacement latéral, je rappelle, Claude, s'il te plaît, c'est un mouvement où le partenaire est ici et où là, j'envoie sur le côté, comme ceci. Donc ici, 1, la main est sur le ventre du partenaire, l'autre main devant le buste et je déplace le corps. 1, et... Alors, il y a deux manières de faire. Il y a une manière où là, on tourne vers l'arrière. Pas forcément ce que vous allez mettre au pied. C'est pas faux, hein. Mais nous, on va rester vraiment dans un déplacement latéral. 1, 2, et on envoie. 1, vous êtes bien dans votre centre, ici. Et là, déplacement du corps sur la gauche. Bien dans mon centre. Voilà, les bras bien tes katana. Juste le déplacement du corps vers la gauche. 1, 2, 1. Petit détail aussi, quand vous déplacez d'un côté, il faut que votre pied se tourne là où vous allez, sinon vous risquez de vous blesser la cheville. Donc regardez bien le pied. Ici. Là, je tourne mon pied et j'envoie. Je reviens. Je tourne le pied, j'envoie. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et bien. Ensuite, ce mouvement-là, comme ceci, vous savez, c'est fait au-dessus derrière. Donc, on descend. 1, 2, ici. 1, 2. Descendez d'abord. Faites le cercle. Un pied devant. Le poids est sur la jambe arrière. Ici, vous tournez. Pour que derrière, ça puisse passer. On revient. On descend, on fait le cercle. Je mets un pied, le poids du corps est sur la jambe arrière. Je tourne. Et on voit, je le fais sur le côté. Je descends. Je fais mon cercle. Le poids du corps est sur la jambe arrière. On revient. Et là, hop. J'envoie sans perdre mon équilibre vers l'avant. Ni, vous manquez de temps, mettre à niveau, cette réunion 7 se terminera dans 10 minutes. Ouais, alors là, j'ai un avis comme quoi cette réunion se terminera dans 10 minutes. On va voir si jamais c'est le cas, ne vous inquiétez pas, restez connectés, on fera ce qu'il faut. Donc, on se baisse. 2, 1. Et 1, le cercle, on avance, voilà, et surtout pas de choses comme ça. 1, 2, et 3,
1, 2 et 3. Bien. Bon. C'est la première fois que j'ai cet avis, disons clairement, c'est dans 10 minutes. J'espère que ça ne va pas le faire. Est-ce que tout le monde voit la vidéo là? Oui. Vous voyez la vidéo? Oui. Ouais, ok. Donc, Kokyo, c'est le brossage du bras par-dessus. Ça, c'est un stage, ça a été filmé à Arcoucou. On était parti faire un stage en 2013 avec Thomas. Voilà, brossage. Et on pose. Donc, brossage. Et on pose. Voilà. Ce mouvement-là, on va pouvoir le faire en miroir. Donc, vous mettez en face de moi. Voilà. Le partenaire vous prend l'épaule. Ici. Donc, vous passez par-dessous, vous brossez, et vous ici. Le partenaire saisit l'épaule, je passe par-dessus, je brosse, et j'envoie, c'est le déplacement latéral qu'on a fait. Sachant que si vous brossez très bien, le partenaire arrive devant vous, et là, vous pouvez faire le mouvement vers le bas. Ça dépend comment est placé votre partenaire. Je brosse, déplacement latéral. De l'autre côté, je passe dessous, le pouce en bas, je le ramène dans mon centre et je déplace. 1, 2, 3, bien dans la respiration. Je passe dessous la main et vers le ciel. Ici, la main est tournée vers le visage de mon partenaire. 2 et 3. Claudine, tu veux bien remettre cette prise d'épaule. Donc, je passe par-dessus. J'amène en bas. Hop. Et je croise. Merci. Je passe par-dessous. Je projette de l'autre côté. 1 et 2. Alors, sachant que ce qui compte, c'est la répétition. Répétez inlassablement. 1 et 2. Je passe dessous, main vers le visage, j'amène le partenaire et je projette. J'amène et je projette. 1. J'amène. Et je projette. 1. J'amène. Et je projette. Bon, on va faire ça pendant. On va faire ça jusqu'à la fin du cours. Jusqu'à 8h15. 1. 2. Et je projette. 1. 2. Je projette. 1. 2. Je projette. 1, 2, et là je l'absorbe tellement le partenaire, vous allez voir, on change un petit peu. Je l'absorbe tellement le partenaire qu'il arrive devant moi et là je le pose partir du mat. Je l'absorbe tellement. Oh. Autre côté. Je l'absorbe à fond. Oh. J'absorbe à fond et je pose. J'absorbe à fond. 1 et 2. 1. J'absorbe bien et je pose. 1. Et bah. Et bah. Et bah. Et bah. Là, vous l'avez au ralenti. Voilà, catapé de riz. Côte Cunaillé. Ouais. De mettre son bras comme ça, d'être bien dans son sens. Si je suis là, il n'est pas bien équilibré. Alors que si je l'avais un petit peu par là, hop, ça va tourner. Donc, dans cet exercice, ici.
certes, il y a ce mouvement-là, hein, mais après, il ne faut pas aller vers le bas, il faut le jeter le partenaire et poser avec Claude. Ici, je ne tire pas, je viens à côté d'elle, là, et là, je ne vais pas vers le bas, elle résiste, hein. Non, je résiste, ouais, voilà, elle ne peut pas. Je la lance vers l'avant, et après, ça va. Merci, Claude. Alors, ensemble, hein, on lance vers l'avant et on pose. Ici, on lance vers l'avant et on pose. Vous pouvez faire avec une seule main. On lance vers l'avant et on pose. Sachant que Maître Saito, quand il fait ce mouvement-là, il dit de mettre les deux mains. Mais là, pour que vous soyez bien dans le mouvement, 1, 2, et on pose. 1, 2, et je pose. 1, 2, et je pose. Je creuse. Et je pose. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc il y a deux cercles, comme c'est écrit. Un cercle horizontal. Pour mettre le partenaire en mouvement, et quand le partenaire est en mouvement, cercle vertical le plus bas possible, et après on pousse le plus à l'oreille. Voilà, et on envoie. Un cercle horizontal. Un cercle vertical. Et on pousse le plus à l'oreille. Voilà. Si je pars comme ça, ici, elle ne reviendra jamais. Donc, il faut là, venir la mettre devant mon centre. Et là, c'est mon centre qui prend. Donc là, c'est vraiment important. Donc, on va déjà apprendre à faire ce mouvement-là. Là, vous descendez et vous faites le cercle horizontal avec vos doigts qui sont comme ceci. On descend, cercle horizontal. On descend, cercle horizontal. Alors que dans le mouvement, en l'occurrence, ça va être, je vais me rapprocher quand même. Hein. Mais on apprend déjà ça. 1, 2, 1. Pousser l'énergie dans les bras, cercle horizontal. Cercle horizontal. Le dos bien droit, cercle horizontal. Bien. Maintenant, je suppose que je suis pris. Donc, je vais me rapprocher de mon partenaire. Et là, cercle horizontal. Je me rapproche de mon partenaire. Cercle horizontal. Tiens, tu peux venir, s'il te plaît. Ici, je me rapproche. Voilà. Ici, elle me prend. Hein. Voilà. Je me rapproche. Cercle horizontal. Et après, je te donne. Merci. Je suis pris, je me rapproche. Je me rapproche et je l'amène devant. Elle me prend de l'autre côté. 1, 2, 1. Et de faites-le tout seul pour l'instant, s'il vous plaît. Hein. J'en vois là qu'ils font avec quelqu'un. 1, et 2, 1, et 2. Bien. Alors maintenant, ce qu'on va prendre, c'est 1, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On va faire une grande vague vers le bas. On tourne horizontal, une grande vague vers le bas. On tourne, une grande vague, et la vague se fait en descendant comme ça et pas les fesses en arrière. Donc 1, 2 et 3. Cercle horizontal, on descend. Cercle vertical.
Cercle horizontal, cercle vertical, et là on va toucher le coude à l'oreille. Cercle horizontal, on descend et on pousse le coude. Allons faire l'écho des vagues. On descend, on tourne, on descend très bas, on remonte, on descend. On descend. Et maintenant, on fait le vidéo. Donc, on fait tourner. On descend le plus bas possible. Et on pousse le pouce à l'oreille. Merci, Claude. On descend tout en bas et on pousse le coude à l'oreille. Allez, si je vous regarde. Alors, je regarde là, je regarde Manon. Manon, oui, elle descend bien en bas. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on va regarder ? Adrien dans son salon. Vas-y Adrien, on te regarde. Ouais, c'est pas mal, c'est bien grand. Ouais. Redresse-toi, tu as les épaules un petit peu trop en avant. Ouais. Voilà, là, tu descends bien droit. Ouais. Plonge avec ta main quand tu descends. Plonge avec la main quand tu descends. Ici, de la plonge. Voilà. Ta main, elle va vers le sol. Là, je suis sur David. Attention, David, je te regarde. Allez, David. Ouais. Ouais, excellent. Oh là, c'est très bon, ça. Très, très bien, là. Ça va bien jusqu'en bas. Laurence, c'est bien. Alexandre, Aline, super. Fano, j'ai que ta photo. Ah ouais, mais il ne faut peut-être pas être sur Internet. Il a bien raison. Isabelle, allez, on va aller voir comment travaille Isabelle. Alors, épingler. Attention, Isabelle, tu es en plein écran. Ouais, bien, tu plonges bien. Oh là là, tu disparais de l'écran. Là. Ta caméra, elle est en haut, tu disparais. Mais ça ne fait rien, vas-y, continue. Ouais. Ah, il fait beau chez toi, dis donc, tu as de la chance. Ouais, plonge bien avec la main, là. Ouais. Ouais. Alors, bon, c'est pas mal. Parmi les gens que j'ai regardés, tout le monde est là. Parmi les gens que j'ai regardés, là, c'est bien. Mais après, vous plongez comme si vous piquiez dans le sol. Alors qu'il y en a qui descendent un petit peu comme une feuille qui descendrait comme ça. Donc, la main, elle ne fait pas ça. Elle ne fait pas comme ça, la main. La main, elle plonge dans le sol et elle remonte. Hein. Donc là, regardez, cercle horizontal. Et là, je plonge dans le sol et je remonte. Allez, essayez encore un petit peu. Oui. Oui, mais là, je suis... Donc j'entraîne bien mon cercle là. Et là, grand intérieur. Et vous faites le mouvement de votre avant-bras parce que vous êtes saisi. Et là, il y a la pétillobilité. Et deux. Un. Et deux.
Bien, alors, on y va ensemble. Donc, quand on fait ça, j'entraîne. Ici. Petit cercle par en bas, je viens prendre. Le pied à l'intérieur. Et là, je tourne autour du pied pour faire le plié. Voilà. Donc, j'entraîne. J'entraîne mon partenaire. Petit cercle devant moi, je viens prendre son collier. Je passe à l'intérieur. Et là, je plié. Tournez. Petit cercle par ici, je prends son premier. Normalement, je fais le mouvement avec mon avant-bras. Et je... Encore. Je tourne. Petit cercle par en bas. Et je tourne. Petit cercle par en bas. Et je pose. Entraîne. Petit cercle par en bas. Le pied à l'intérieur et je tourne autour de ce pied pour faire le deuxième pied. Petit cercle par en bas. Cette main marche avec ce pied. Ici, sous la main, le pied. Et après, je tourne. Sous la main, le pied. Je tourne. Je tourne. Tiens, Alexandre. Alexandre, épinglez la vidéo. Alexandre, on te voit en grand. Ouais, super. Alors, ouais, allez, si. Allez, à demain, à deux poignets, on prend le partenaire. Ouais, j'entraîne, on passe par en bas, petit cercle par en bas. Oui. Ah ouais, mais c'est pas rock'n'roll, là. Il ne faut pas que ton partenaire, il tourne autant. Tu regardes, ton partenaire, il tourne trop, tu fais faire rock'n'roll. Attends, je vais te le montrer. En plein écran. Donc, tu fais comme ça, ici, et là, ton partenaire est toujours en rock'n'roll. Donc là, ton partenaire, arrête-le là. Voilà. Là, cette main-là pour moi. Et là, tu prends la main et tu passes devant lui. Et après, tu fais le mouvement. Donc, tu tournes. Demande à ton partenaire là, de s'arrêter. Sinon, si tu le fais tourner, bah, tu le fais tourner, tu vois là, oh, ça part. Hein. Mais là, on veut faire côté Yeshi. Donc, un, ton partenaire tourne pas trop. Là, cette main. Tu prends la main. Voilà. Et là, tu fais côté Yeshi. Ok, allez. Sur Alexandre. Alexandre, ouais. Tu passes par en bas, Alexandre. Voilà, là, tu prends son poignet, tu passes devant lui. Et là, tu fais le côté Geshi. Oui. Voilà, génial. Très bien, Alexandre, tu as gagné. Voilà, David, c'est bien. Isabelle. Jean-Marc. Alors, je regarde Jean-Marc. 1, 2, 3. C'est bon, Thomas? Oui, c'est bon. Donc la main vient devant le visage. 1. Quelques-uns qui ont partenaire. Bon, vous pouvez me regarder, s'il vous plaît. Alors, vous êtes là, ici. Donc, le partenaire attaque quand même. Absorbez. Ici, tournez bien les hanches. Vous voyez ce mouvement de tourner les hanches. Passez dessus.
Et là, comme si vous aviez un sabre, vous coupez. Donc, je coupe. Je vais chercher mon sabre au côté. Je dégaine. Et là, je coupe. Encore. Ah, je viens chercher mon sabre au côté. Je dégaine. Vous voyez ce mouvement? Dégainer. Et couper. Allez, c'est parti. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Là, je le stylise, je fais qu'une main. Un, deux, coupé. Et trois mouvements stylisés. Un, sortir le sabre. Et couper. Un, sortir le sabre. Et couper. Un, deux, trois. Un, sortir le sabre. Et couper. Je vous regarde. Oui, Morgane, c'est très bien. Tu le coupes bien, là, ton partenaire, Morgane. Ouais, allez, coupe le ventre. Oui, c'est pas nécessaire de. Tu te fléchis trop quand tu coupes, Morgane. Voilà, là, reste bien droite. Quand tu coupes, c'est pas la peine de descendre. Adrien, c'est bien. Jean-Marc, ah oui, le coupé, il est très bon. Aline, c'est bon. Alexandre. Alors, Laurence, vas-y, Laurence. Laurence, mets bien ta main pour accueillir le partenaire. Voilà, bien ta main en haut et tu viens couper vers le bas. Non, c'est vers le visage que tu coupes. Tu coupes vers le visage. Voilà, et après, tu descends. Oui. Voilà, encore, Laurence. Ouais, voilà, c'est bien. Là, tu coupes en bas et tu passes dessous. Ouais, mais tu oublies. Voilà, c'est ça, bien. C'est pas mal. On va finir le cours par un randori, parce que tous les cours doivent se finir par un randori. Alors, vous allez faire un randori sans chute. Hein. Donc, si vous avez un partenaire, je vous montre. Donc, trois attaques, clos. Voilà, c'est un petit peu pas. Voilà, on salue, et l'attaque. Clash, 1, 2, 1, 2. 1, on laisse passer, 3, on laisse passer, 4, on laisse passer, 5, 3, on rentre. Ok ? Bien. Voilà. Si jamais vous êtes tout seul, vous saluez la main de l'île. Hop, ça attaque le chemin. Hop, là, vous pouvez faire chenaller. Attaque Kiki, attaque chemin. Oh ! Sur la dame de l'île, vous pouvez faire. Des mouvements, eh bien, c'est derrière, nager, attaque de commun, vous étudiez nager, vous faites votre petite affaire tout seul. Attention, mettez-vous en place, je vais donner le signal. On se met face au partenaire. Attention de ne pas faire tomber, hein. Tout le monde est prêt? Salut! Hey! Ouais, Manon, le petit lutin, là, c'est risqué. Hein. Bien, vous arrêtez, vous saluez vos partenaires. Alors, on va terminer le cours par le maître Noquel faisait à la fin de tous les cours, le Kokyunage. Kokyunage au sol, je vais faire le clos, ici.
Donc le partenaire tient fort, elle pousse. Là. Ce qu'il faut, c'est juste tourner sa main pour monter son coude. Donc là, ici, je tourne, ça fait monter son coude. Et après, je rentre. Bien ça. Donc, vous mettez en face de moi, s'il vous plaît. Ici. Vous tournez une main. Ça va faire monter le coude du partenaire. Vous êtes là. Vous ne faites pas prendre comme ça, ce n'est pas possible. Au début, quand vous faites prendre, donnez les mains ouvertes et permettez au partenaire de venir prendre comme ça. Donc, donnez les mains, le partenaire vient prendre. Tournez son coude monte, baissez un petit peu et là, poussez au ciel. De l'autre côté, voilà, je monte le coude, baissez un petit peu et montez là-haut. Ici, un, deux, et poussez bien avec le bras. Un, deux, un, deux. Allez-y encore un petit peu. Bien. Alors, voilà, le cours est fini. Approchez-vous un petit peu. Là, c'est la petite récré. Alors, la petite récré, c'est des petites vidéos. Il y a une petite vidéo sympa, qui est un joli souvenir. Ceux qui ont fait le cours enfant, vous allez, c'est celle que j'ai passée hier. Je vais repasser les mêmes vidéos qu'hier. C'est une petite mésaventure qui est arrivée à Thomas. Alors, regardez bien. C'était au stage de Praec en 2013. Explication pour faire koshinage. Donc, expliquer qu'il faut bien baisser son centre. Vous voyez là, le bâton est haut. Donc, je suis plus haut que le centre de gravité du partenaire. Il faut baisser le centre. Voilà, là, il va basculer. Il faut baisser encore plus. Et quand on bascule plus, quand on met un peu plus bas. Oh. Et on avait explosé le bâton. Le stage qu'on faisait là, c'était dans un gymnase qui était juste à côté du cimetière où était enterré Maître Noquet. C'était absolument énorme. Maître Noquet était à 300 mètres. Alors, le deuxième, c'est une démonstration qu'on a faite avec Thomas à Pont-Audemer. C'est un film, la télévision française, non, la télévision régionale, pardon, qui était venu filmer. Et vous allez voir, il y a Thomas qui se prend une chute. Oh pétard, j'ai failli le perdre ce jour-là. C'est très... Là, tout le monde voit bien, hein? Tom? Oui. Oui, on voit. Regardez-moi ce pétard de chute. Là, il est complètement. Là, il tombe sur la tête. Heureusement qu'il s'est chuté, le petit père, parce que la chute était vraiment, vraiment limite. Donc, c'était 2003, je crois. Petit lutin, là, hop, je claque. Et voilà. Voilà, les amis. Bon, bah, il ne reste plus qu'à faire le salut. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous remercie. On a une petite coupure, mais c'était quand même bien. Enfin, pour moi, ce qui me concerne, j'espère que pour vous, c'était bon aussi. Allez, on se met en place pour le salut.
Ah, les connexions tout de suite. Connexion terre, connexion ciel. Souriez dans votre cœur. Et sentez dans votre cœur cette petite flamme qui est là dans votre cœur. Cette flamme d'amour qui est là. Et cette flamme-là, faites-la grandir. Et visualisez qu'elle s'en va partout autour de vous, en particulier à tous les gens qui souffrent en ce moment du confinement. Tous les gens qui sont chez eux dans un petit studio tout petit, ou bien qui sont très nombreux dans un petit local, qui n'ont pas la chance, comme on peut l'avoir, nous, moi en particulier, d'avoir un dojo ici. Donc envoyez cet amour à tous les gens qui souffrent. Envoyez de l'amour, voilà, passez votre temps à ça. Envoyez de l'amour et ne laissez pas la porte à la porte. Merci, Claudine. Merci beaucoup, les amis. C'était un vrai bonheur de vous retrouver. Alors, vous pouvez brancher vos micros si vous voulez. Afficher la galerie. Voilà. Donc, ce que je vais faire, pour qu'il n'y ait plus ce petit incident-là, je vais faire le nécessaire. Je vais prendre l'abonnement pour pouvoir faire des vidéos illimitées. Donc, c'est un petit investissement quand même de pas grand-chose. Donc, on ne sera plus coupé. Voilà. Et puis, Thomas, ton cours le samedi, c'est quand ? C'est de 15h à 16h. 15h à 16h. Voilà, alors surveillez le site du club, je le mets à jour, surveillez le site pour voir quand il va y avoir des nouveaux cours, il va y en avoir assez vite, je pense. Voilà. Merci pour le cours, Jean-Pierre. Oui, bah, c'est tout. Merci Jean-Pierre. Ah. Merci. Merci Jean-Pierre. Un grand merci. 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 On n'était pas nombreux. Merci à toi Jean-Pierre, c'est cool. Ouais, j'en ai. C'est les meilleurs. Merci à vous. Et on mouille le kimono, hein. Même ouais, tout seul, on mouille le kimono. C'est pas tout seul, tu avais le ouais. C'est génial. Ah, Bénard, je vois Bénard qui est là. Ouais. J'espère que grâce à toi, j'aurai ma ceinture noire. Pardon ? J'espère que grâce à toi, j'aurai ma ceinture noire. Ou alors justement, il faut que je te parle, c'est vraiment embêtant parce que les passages de grade ont été annulés. Ah merde. Enfin, tu t'en fous, passe déjà ta jaune, ta orange, tout ça. Ouais, ouais. Là, c'est vrai. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, c'est vraiment super, ça me fait plaisir. Je regarde beaucoup, il y a tous les sourires, c'est génial. Je regarde tous les... Là, je vais afficher la galerie. Il n'y a que des sourires partout, c'est tout du bonheur. Voilà. Oh putain. J'ai oublié de mettre le micro, papa. Oh, maman. Bonjour. Bah écoutez, je vous fais un gros bisou à tous. Merci Jean-Pierre. Merci à toi. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Un bisou. Bisous. Au revoir. Au revoir.